Salut salut, c'est Kenny Venise, ça joue moi ça va picobello, j'espère pour vous c'est pareil. Nous voilà pour un nouveau tuto pour une arme unique et puissante dans Dragonborn. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce que cette arme, c'est le gourdin du champion que je vais vous montrer tout de suite après à la fin de la vidéo pour vous garder un peu le suspense. Donc vous la voyez déjà dans la miniature mais à la fin vous la voyez. Donc tout d'abord pour commencer pour avoir ce gourdin du champion bien sûr, il faut commencez une quête à côté de Cobrock, c'est à la ferme de Atius, c'est juste à quelque part de Cobrock. Vous sortez Cobrock, vous rangez la sorte de muraille là et vous atterrissez dans la ferme d'Atius. Ça peut vous découvrir qu'il y a tout plein de zombies flambeurs qui sont en train de un peu foutre le bordel par là, vous les butez et puis vous parlez avec le capitaine de Cobrock et il va vous dire pour chercher une lettre. Alors là, vous allez chercher la lettre et vous allez voir que. Qui est responsable de cette attaque, c'est tout simplement le général Carius qui est mort il y a 100 ans, mais qui a ressuscité grâce aux cendres, etc., qui est devenu un zombie de cendres en fait. Et le capitaine va vous envoyer tuer ce fameux général Atius dans une citadelle que c'est en train de vous montrer exactement maintenant où se trouve cette citadelle et où se trouve également cette ferme d'Atius. Vous voyez, c'est pas très loin de Corberock. Après, vous allez dans cette citadelle, vous dégommez un peu tout, vous allez voir, c'est très facile, il y aura quelques assassins. Après, vous arrivez bien sûr à la fameuse. À la citadelle, je me suis trompé, désolé. Au fort, plutôt à un fort, parce que la citadelle c'est la mission d'après, je me suis trompé de mission, mais c'est pas grave. Donc, au fort, comme vous voyez, on arrive dans ce fort, donc on dégomme tout plein de bêtes en cendres, des zombies flambeurs, quoi. Moi j'appelle ça des zombies flambeurs. Et puis, là, vous allez jusqu'à massacrer à la fin notre général Carus, et c'est lui qui aura le gourdin du champion. Alors, très très précisément, il faut pas oublier, pour accéder au général Carus, il faut trouver la clé de sa porte, parce que sa clé elle est en fait planquée, comme vous êtes en train de voir maintenant dans la vidéo, tout en bas, et dans une sacoche, il y a la clé, et ainsi vous pouvez accéder en fait à l'endroit où se situe le général Carus, dans ses dortoirs, on va dire, on va appeler ça dortoir comme les capitaines, comme les navires, comme les bateaux. Et puis c'est là qu'il se trouve le gourdin du champion. Voilà. Donc voilà, voilà, vous avez cette belle arme qui, comme vous le voyez, qui a 50% de chance d'infliger 25 points de dégâts, si je me trompe pas. 25 points de dégâts supplémentaires de feu de glace. Donc c'est vraiment sympa, sympa. Et de foudre aussi. On a oublié ça, bien sûr. Les trois éléments plus essentiels dans Skyrim. Donc c'est vraiment très sympa et ça peut infliger vraiment beaucoup de dégâts à vos ennemis. Donc une arme vraiment redoutable et puissante que vous pouvez bien sûr encore améliorer de base. Voilà, ça c'est très facile. En plus elle est très facile à améliorer. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Donc sur ce, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous retrouve donc prochainement demain pour un nouveau long épisode de Dragonborn et prochainement pour un tuto. N'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres astuces ou d'autres tutos sur Dragonborn, cliquez tout simplement à la fin de la vidéo sur la vignette correspondante, ou si vous suivez avec hâte tous les épisodes de Dragonborn, cliquez sur la vignette Aventure suivie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et tchoban!